Bonjour. Shalom. Shalom. Tinahu al-Hasan. Shalom. Shalom. Shaldar et Tadkare. Tralchou. كون لي واقف بالكال اخم بن عمي سبسي واحد ما يال عنده سلام 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 أنا الملهم الجديد. Voilà quel a été mon premier contact avec ce qui allait devenir mon village. Je voulais aller vite pour créer mon école. Une chose avant tout était indispensable, obtenir l'adhésion des parents. J'ai fait convoquer tous les pères à la synagogue principale. Dans la société juive traditionnelle, les femmes comptent peu. Pour leur expliquer mon but, préparer pour leurs enfants un avenir meilleur. لا نعطيكم بس تكسي اولادكم بس تداويهم من بهاد نكلم ما تردوش كلامه قبل ما تنسنطلو هذا كلام مليح لازم اولادنا يتعلموا القرايه ويتعلموا الكتابه الفرنسيس على كل حال التعليم ديما مزيان je les sentais ébranlés j'ai simplement ajouté حمموا فراسكم تلاو فولادكم بس ما يسوس فلايوس Shalom Alechem. Puis je les ai entrepris un par un. Ils me recevaient gentiment. Ils m'offraient tous le thé à la menthe, ce que j'ai pu en boire de verre pour vaincre leurs hésitations. Je les sentais prisonniers, victimes d'une tradition qui leur avait permis de surmonter pendant 10 siècles misère, oppression, humiliation. Pourtant, aujourd'hui,
Il fallait que je les gagne à la cause de l'école moderne. Elisha ben Abouya Omer, halomet Torah. يلد لما خدومي ليديو كتب إلنا عار حدش علم الدرار ديالنا الحرف دي فرنسا بالحق تهلا فيهم بس يزيدوا في الدين ديالنا. Il ne me restait plus qu'à trouver un local pour mon école, ce qui devenait chose facile avec le grand rabbin m'appuyant de son autorité. Il m'a fait visiter presque toutes les maisons. Beaucoup étaient trop petites, comme celle de mon nouvel ami le meunier. D'autres auraient difficilement pu être aménagés en salle de classe. Celle-là me convenait bien. Elle était spacieuse et facile à transformer. Il suffisait de mettre un toit au-dessus de la cour intérieure. Je regardais les pièces de cette humble maison. Les projets me dansaient dans la tête. Je me sentais gagné par un sentiment d'exaltation intense. Là, un jour, je ferai une infirmerie. Là, une douche. Là, une cantine peut-être. J'ai terminé mon tour du propriétaire en montant sur ma terrasse. Même de cette simple barre de fer, je finirais bien par tirer parti un jour. Il n'y avait pas de temps à perdre. Je me suis mis aussitôt à la construction de ma classe. Je continuais mes contacts avec les parents et les enfants. Certains de ceux-ci, quoique propres dans l'ensemble, étaient dans un état sanitaire nettement déficient. Le trachome, notamment la maladie des yeux, exerçait ses ravages. Beaucoup d'enfants étaient aussi victimes de l'autre fléau du bled, la teigne. À recevoir des colis, des médicaments. C'est avec les petites filles que j'ai obtenu un succès qui dépassait mes prévisions les plus optimistes. Comme la coutume juive traditionnelle faisait peu de cas des femmes et que la vie de ces pauvres gens était très arabisée, il ne leur était pas venu à l'esprit que l'école allait aussi comprendre des filles. Les filles, on s'en débarrasse à la mode arabe en les mariant le plus tôt possible, à 8 ans, à 9 ans, à 10 ans. نحب نتزوج معاك. نحب نطلق. نحب نمشي للسكويلة. La chose put heureusement s'arranger. Le mari étant encore d'âge scolaire. Pendant ce temps, l'école finissait de se construire. Et un beau soir, tout était terminé. Je suis entré dans mon école. Demain, je pourrai commencer mes cours. Je suis monté sur ma terrasse, contemplé la dernière nuit du Moyen Âge, noyé ce village que je commençais à aimer. Thank you.
Le lendemain matin, tout le village était réuni à la porte de l'école. Suaina, Skat! Skatu! Skat! Elulad Hina! Elulad Hina! Hina, Lulad! Elulad Hina! Non seulement il fallait leur apprendre à lire, à écrire, à compter, mais il fallait aussi leur apprendre à s'asseoir. Beaucoup ne s'étaient jamais servis d'une chaise ni d'un banc. Vous allez apprendre à parler le français, à le lire, à l'écrire, comme le font les petits garçons et les petites filles de votre âge, à Paris et dans toutes les villes et les villages de France. Radin al-Melkoum Tedrob Bel Frances. Répétez avec moi. Et col. École. Très bien. Tout le monde maintenant. École. 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 Au bout d'une heure, je leur ai donné une récréation. Ça non plus, ils ne savaient pas ce que c'était. Ils ne savaient pas jouer. Je leur avais réservé une surprise. Finalement, la surprise a surtout été pour moi, devant cette manifestation d'un bon goût très américain. Mais les principaux intéressés paraissaient ravis de porter les grandes chemises de cow-boy par 50 degrés à l'ombre. Tout le monde était très content, y compris le jeune rabbin, que, fidèle à mon accord avec le grand rabbin, j'avais invité à venir faire son cours d'hébreu dans la belle classe toute neuve. Drari Talmum Ler, Laivrit Fal Francis. Blardoisat Uzma Mat Skuela Du Yahum Ziana. Les semaines, les mois passaient. Le jour où j'en ai surpris un en train de griffonner son nom à la craie sur un mur, à la manière de tous les enfants du monde, il m'a semblé que j'étais vraiment dans la bonne voie. Ça avait l'air de se prêter au jeu nouveau de l'instruction. Le nez ? Le nez ? Les yeux ? Les yeux ? Les oreilles ? Les oreilles. Et première vraie victoire. J'avais réussi à persuader mon ami le meunier de moderniser son installation. Il n'était pas rare de voir des enfants arriver une demi-heure, une heure, quelquefois plus avant l'ouverture de l'école. Je me levais pourtant très tôt, généralement avec le soleil.
reviendras quand tes mains seront propres. Allez, les enfants, déshabillez-vous. Allons. Tout le monde, tous les garçons. Allons, vite, dépêchez-vous. Allons, suivez-moi. Retour, même régime. Mais les jeux, le sport m'avaient occasionné quelques complications. Du temps perdu, ils n'en comprenaient pas l'utilité. Par les enfants, bien sûr. Mais les adultes, dans l'ensemble, ne paraissaient pas me tenir, moi, l'école, en grand prestige. Certains indices me montraient la méfiance dans laquelle ils me tenaient. J'étais continuellement espionné. Un jour, je les ai surpris en train de fouiller dans mon tas d'ordures. Il paraît qu'ils cherchaient les coquilles des œufs en poudre qui m'avaient servi à faire une omelette. Et puis, manifestement, la portée exacte de l'éducation leur échappait. Un père, tout fier pourtant de son fils habillé à l'européenne, l'avait battu aux larmes. Il ne comprenait pas et était visiblement déçu qu'il ne soit pas déjà capable de l'aider dans ses affaires. Asseyez-vous. Amar, David.